Salut les gens, c'est Cospiro, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu My Tablet Portia. Eh ben, bien dormi. Allez, on va voir, qu'avons-nous de beau à faire aujourd'hui? Alors, ce chapeau ne me sert à rien en plein jour. Je reste optimiste sur la météo. Il fera un grand soleil. Oh, Adi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Salut Cospio, comment ça va? J'ai trouvé Pinky qui souffrait ce matin. Elle était à la ferme à bricole, encore? On suppose qu'elle a avalé la clé de Dawa, et que ça la rend malade. Oh, décidément. Quelle clé? Celle de la ferme à bricole? C'est ce qu'on suppose, mais les clés sont faciles à remplacer, pas les chats. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Pourrais-tu m'apporter du savon? Ah bah oui. Du savon. Alors d'abord, j'ai mon courrier. Excuse-moi, je lis mon courrier. Centre de recherche. Nous avons découvert quelque chose d'utile dans le disque de données que tu as apporté hier, mais il nous reste beaucoup d'informations à extraire. 3 jours, ok. On se doutait que ça aurait pas été en une journée. Parce que là, rien d'anormal. Du savon, peut-être qu'on peut en faire là-dedans. Je sais plus trop, mais peut-être moyen. Y a pas. Fais pas du savon. Peut-être simplement à l'atelier. J'ai mis où mon atelier? Il est là. C'est vrai qu'on a tout déménagé. Disons donc que du savon. Ah bah c'est ici. Il faut de la graisse animale et de la cannelle. La cannelle, on est au magasin agricole, hein, mais il n'est pas encore ouvert aujourd'hui. Il va falloir que j'achète de la cannelle. Oh, ce timing! Parfait. Allure. Commande de la guilde. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a du B. Pour 570, d'accord. 987, ah ouais! Bah, je crois que... Elle a dit encore une fois, bah c'est bon, hop! On accepte. Wouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y est, on se fait attaquer. J'avais dit qu'il y a des problèmes géopolitiques. Cette chose s'est écrasée sur les terres désolées. Je devrais aller jeter un œil. Mais carrément! Un chat à soigner aussi. Ah, justement, il y a Petra, il faut que je la voie. Petra! J'ai un truc pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est exactement le genre de choses dont je parlais. Ils n'ont pas besoin de l'étudier au centre de recherche, mais il est évident que c'est une relique de l'ancien monde. Merci, je n'arrive pas à croire que tu sois donné la peine, que tu te sois donné la peine de chercher quelque chose juste pour moi. Je ne me souviens plus en fait. Il n'y a pas de quoi. Je voulais entendre l'histoire que tu allais lui associer. Verrons bien, peut-être qu'il y a longtemps, le père d'un enfant était marin et qu'il lui a donné ce jouet. Peut-être que... Je ne sais pas, mais je ne tarderai pas à trouver quelque chose d'intéressant. Merci encore. Ah, c'était donc ça. Moi, je pensais qu'on allait développer des trucs de dingue, et en fait, non. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un nous attaque? On nous pose la même question. J'ai vu cette chose tomber du ciel, j'ai eu peur. Quelqu'un peut nous dire en quoi il s'agit? C'est énorme. Je vous le dis, ce sont des extraterrestres. Nous allons enquêter. Que tout le monde se calme, nous sommes sur l'affaire. Harlow et Ellington se trouvent sur le lieu de la collision. Vous serez tous tenus au courant lorsque nous saurons plus sur cet objet. Ok. Ah, te voilà, alors. On dirait qu'il s'agit d'une relique. Une relique? Vraiment? Des extraterrestres? Vous voulez attaquer. Mais il y a un problème, nous avons besoin d'un... Toi, nous avons besoin de ton aide. Y a-t-il? La relique a renversé une tour et formé un trou géant dans le sol, duquel des monstres sont apparus. D'après mes mesures, il fait 4 mètres par 5. Nous devons rapidement l'obstruer. Sam ne laisse personne entrer avant que le trou ne soit rebouché. Harlow et moi allons nous débarrasser de quelques monstres. De plus, en attendant. D'accord. Ah, je crois qu'il me parle à moi. Compris. On peut passer ou pas? Sam, je peux passer? Avant que je t'appelle Captain Harrow, je trouvais ça plutôt chaleureux, mais il trouvait ça trop formel. D'accord. Ok, bon, elle m'a laissé passer. On va les yoter vite fait ce que c'est que ce truc, et après on s'occupera du chat. Ah, j'aperçois la fumée là-bas. Alter 01. C'est quoi, c'est une station spatiale, non? Eh ben... Il y a des monstres. Enestrement! Harlow, Rennington! Est-ce que je peux vous aider?
Et ça pop à l'infini. Ça pop à l'infini. J'ai l'impression qu'il me donne pas de... Ouais, il me donne pas de points d'expérience. Non, en fait, ça vaut pas l'intérêt. Ah bah c'est bon, je vous laisse gérer. Vous gérez très bien comme ça. Moi, je vais enquêter sur ce truc. Bon, à première vue, c'est un peu prématuré pour l'instant. Il faut récolter une papaye bambou, génial. Bon, à mon avis, il faudra venir ici plus tard, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein. Eh ben, moi qui pensais avoir une journée banale... Ah, et le chat. N'attends pas que le ciel nous tombe sur la tête. Alors, voyons voir. De la cannelle. Normalement, ils en vendent ici. De la cannelle, de la cannelle... Ah, voilà. Très bien. Bah, je vais en prendre 5, ça va être tranquille. Voilà. Merci, Sophie. Elle est pas là. À mon avis, elle s'occupe des canards. Et des poulets. Bon, voyons voir. Le savon, et petite sacoche aussi au passage. C'est vrai, j'ai oublié cette histoire. Alors le savon, un exemplaire. Et la petite sacoche, un exemplaire aussi. Et il me semble que c'est Adi aussi qu'il faut que je la donne, donc très bien. Alors, génial, j'arrive à faire de l'eau savonneuse avec ma bouteille d'eau. Et voilà un chat sauvé. Hey, hey Adi, reviens, j'ai encore un truc pour toi. Oh là là, il se sauve. Pas mal, voici ta commission, merci. C'est la journée Adi. Et Pinky se remet ses émotions. Très bien, bon, bah deux bonnes actions de fait. Hop, on va s'occuper un peu des fous et après on va voir ce qu'on peut faire. Il est déjà midi, eh ben. Voilà, s'occuper de tous les fours. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai une quête station accidentée que j'avais même pas fait gaffe. Visiblement, c'est à moi de reboucher le trou, c'est ce qu'il me semblait. Mais ils l'ont pas dit directement, ils parlent à Sam, j'étais un peu paumé dans mes trucs. Bon. Ouais, bon, est-ce que j'ai des ingrédients pour ça? Parce que je devais aussi m'occuper normalement de la. De l'affaire arboricole. Il demande trop de choses là. Alors, j'ai des baguettes de soudeur, il m'en faut 5. 4, j'en ai 5, très bien. Il manque juste une plaque d'acier. Donc, il faut que je refabrique des plaques d'acier. Oh zut. Allez. Tac. Et roue à hub et moteur à eau, par contre, bah je suis grillé quoi, je dois attendre encore un peu. Après, je pense que la station spatiale, c'est un petit peu une urgence. Donc, ouais, on va avoir nos priorités. Hein. Ah bah justement, je voulais peut-être tenter une roue à hub, mais je vois que le diagramme est pas assez... Elle est trop important pour cette plateforme d'assemblage, donc il faut que je voie pour l'améliorer. On va directement voir ce qu'il me faut pour ça. Alors, c'est bon, j'ai les trucs qu'il me faut. Où est-il? Il est là. Voyons voir pour améliorer ça. Oui, allez. On investit. Ah oui, c'est plus tout la même taille par contre. Ah ouais. Ah, c'est pas prévu d'or. J'avais pas prévu ce truc là. Comment je peux faire? Ah mais ça va faire moche. Ah mais non, mais j'ai pas pensé à ça. Je me mettrai dans ce coin là et on va essayer de redisposer les trucs comme il faut. Hein. Confirmé. Ah ouais. Là, Higgins peut se moquer de nous, mais là, on peut pas tester le gars. Gardez-moi ce truc, toi. Impressionnant. Donc là-dessus, je peux mettre le diagramme de la roue à hub. Tada. Merveilleux. Mais il me faut de l'acier. Pour l'instant, l'acier, bah, ça travaille, mais c'est long. C'est très long. Bon, on a mis un peu de rangement. Voilà. Maintenant, on a une roue à hub à faire en attendant que l'acier se prépare, parce qu'il me faut des plaques d'acier. Pour l'instant, j'en ai pas. Il m'en manque une. Je pourrais aller réparer ce trou fait par cette station spatiale tombée du ciel. Alors, il me faut du bois dur, 50 bois dur. Ah, j'en avais beaucoup, mais j'en ai beaucoup cassé pour faire du bois. Il doit m'en rester, je pense. Oui, ça va, j'en ai plein. Hop. Aïe, on a commencé vraiment par le... par un morceau assez atypique. Ensuite, il faut des barres d'acier carbone. Ça, j'en ai plus. Des pièces anciennes, 10. Et des grands seaux en fer, 12. Ah ouais, il en faut un pour chaque... oui. Ah oui. Bon, j'ai les pièces anciennes, ça c'est bon. Tac. Par contre, il me manque 4 seaux.
et beaucoup d'acier. Donc je sais pas si les sons on peut les fabriquer. Je vais vérifier, mais à mon avis non, il faut aller chercher dans les... Entre. Ah non, on peut fabriquer, j'ai rien dit. Mais c'est pas trop cher encore. Il m'en faut 4. Voilà, que ça sera fait. Très bien. Alors, où c'est qu'il faut les mettre? Il faut les mettre là, non? Ça c'est pièce ancienne. Voilà, ici. Ta-da ! Il manque plus que l'armature en acier. Pour ça, il faut être patient. Il y en a que un qui est fini. Ouh, on ira loin avec ça. Bon, c'est bon. En fouillant mes coffres, je me suis rendu compte que j'avais une plaque en rab. Donc c'est bon, on peut réparer le trou. Par contre, je sais pas où se trouve le trou en question. Ah bah là. Derrière les monstres. Alors, voyons voir. Mec, excusez-moi, je suis occupé. Voilà, comme neuf, enfin, si on peut dire. Bon, c'est comme ça. Je passais aussi une excellente machine, il a fallu que cette chose vienne tout gâcher. Mais de quoi s'agit-il? Je n'ai jamais rien vu de tel dans mes souvenirs. Essayons de l'ouvrir. Ah bah, ça s'ouvre tout seul. Oh, un robot! Un robot qui a connu des jours meilleurs. Nom d'un chien! C'est un robot! Quelle impolitesse! Mon nom est Hack Hack! Hack? Non, non, c'est Hack! Clac Hack! Mais enfin! Qui es-tu, Hackbot? Qu'est-ce que c'est? Je suis le chef cuisinier de ma station spatiale, dont une pièce se trouve juste ici. La station spatiale? Sapristi, je suis à terre! Comment suis-je arrivé ici? Ah bah, tu t'es scrooch! Tu es tombé du ciel! Sans blague? Hack! Eh, du calme, ne bouge pas! Je ne panique pas, je ne panique pas! On devrait prévenir le maire! Oui, en effet, je vais le chercher! Non, bah c'est Harlow qui parle! Oui, en effet, je vais le chercher! Viens, Cospio! Ah non, moi je reste avec le robot, hein! Ils ont mis le robot en prison! Vous ne pouvez pas m'arrêter, je connais mes droits! Tout doux, mon cher Hack. Nous essayons simplement de comprendre la situation. Tu es tombé dessus, après tout. Ah, bref, tu étais sur la station spatiale Alter One pendant ces 300 dernières années, si je comprends bien. Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Fascinant. Pourquoi discutons-nous avec cette chose? Écoute, Hack, montre-nous que tu n'es pas une menace et tout ira pour le mieux. Mais enfin, je suis un chef cuisinier. Comment pourrais-je être une menace? Et pour répondre à ta question, j'étais en maintenance depuis 330 ans, voire 2 mois et 17 jours. Je me suis réveillé ici. Alors tu n'es pas un assassin envoyé par Douvas? Écoute, mon monsieur. Je ne sais pas qui est Douvas. Et même si c'était le cas, pourquoi je te le dirais? Tu as raison. Qu'allons-nous faire de lui? Débarrassons-nous de cette chose. On ne sait pas de quoi elle est capable. Vous vous souvenez du robot dansant d'Ater? Mais arrête ton char, toi, Ali, hein, ça va. Je suppose que de laisser au centre de recherche, nous en serons responsables. Ce robot est une véritable trésor à étudier. Oui, bien sûr. Tu oserais? Tu risques de mettre tout le monde en danger. Bon, bah Merlin et Ali vont se battre. C'est une IA vivante. Il n'y a plus beaucoup dans la cité libre. C'est une IA vivante. Il n'y en a plus beaucoup dans les cités libres. Je vous entends, vous savez. Vous ne vous souciez pas de savoir ce que je veux? Nous, j'aimerais que vous me relâchiez, mais puisque vous ne le ferez pas, je voudrais un verre de lait. Très bien, ça doit être faisable. Je veux savoir ce que sont devenus mes compagnons d'équipage. C'est des robots, il y a de moyens, mais bon. Harlow, nous avons fouillé la station accidentée, tes compagnons d'équipage n'ont pas survécu. Ils sont morts il y a des centaines d'années, je suis désolé. Oh. Toutes mes condoléances, Hack, pour le moment... J'aimerais que tu coopères et que tu restes ici pendant que nous étudions ton cas, tu es d'accord? Ah, il est en prison, quoi. Oui, bien sûr, je ne bougerai pas. On peut plutôt le mettre dans un lit, là, plutôt que par terre, là? Et Cospio, puisque tu es là, essaie de faire quelque chose pour la tête et la jambe d'Hack. Pour l'aider à se sentir mieux. Très bien, moi je suis avec mes plaques d'acier sur la tête. Voilà. Hack! Excuse-moi, Hack, est-ce que je peux te déranger? La vie est dure, et puis on meurt. Alléluia, alléluia. Hack, tu veux bien que je te soigne tes blessures à la jambe et à la tête? À quoi bon? Oh, ma chère Lara, alléluia. Hack a l'air déprimé, un verre de lait lui fera sûrement plaisir. Bah oui, il l'a dit. Harlow, t'es fier de toi? Sam m'a dit que tu fais preuve d'un vrai talent de combattant contre ce roi des rats. On comptera sur toi si jamais on se retrouve dans une telle situation. Mais tu peux, tu peux.
Allez. Alors, voyons voir, du lait. Est-ce que j'ai ça? Moi, je pense pas. Hein. Ah si, j'ai 2 litres de lait. Bah, très bien. Hack, où es-tu? Ah bah oui, c'est un cage en même temps. Qu'est-ce qu'il fasse d'autre? Oh, le nectar de la vie! Par Jiminy Cricket, ce lait est délicieux. Tu as l'air d'avoir repris un poil à la bête. En effet, merci. Je vais maintenant essayer de trouver quelque chose pour remplacer ta jambe. D'accord. Harrington, comment vas-tu? J'aurais aimé être là pour voir ce rongeur parlant. Pourquoi est-ce que je rate toujours le plus croustillant dans le coin? C'est vrai ça. Alors voyons voir. Mais ici il y a un balai. Non, c'est pas ce balai là. Ah, c'est ça qu'il faut que je me serve pour dire de remplacer sa jambe. Eh ben, ça va être le grand luxe, hein. Regarde, ah, j'ai trouvé un balai. Essayons. Ouais, mais d'accord, c'est pas ça. Hein. Non, ça ne marchera pas. Sans blague. Eh ben. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Sérieux, une serpillère? Oh, mais non, mais. Pauvre robot. Regarde, j'ai trouvé autre chose. Essayons. Je pronostique le même résultat. Non, ça n'ira pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Peut-être à l'étage. Ah, une ventouse, parfait. Tiens, avec ça t'auras l'air fin. Moi c'est plus stable. Ah bah ça semble aller hein. Très bien. Ça fait l'affaire. Nom d'un petit bonhomme. Alors. C'est parfait. Maintenant pour ta tête. Ah, je sais pas ce qu'on peut trouver pour sa tête hein. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a le saut qu'on a vu tout à l'heure, ouais celui-ci là. Voyons voir. Tiens. Essayons ça. Ah ouais, il y a de l'eau dedans peut-être qu'il dirait non. Ah non, non, non. C'était peut-être pas une bonne idée. Un bidon? Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Il y a des trucs là-haut, non? Ah, ici, un pot de fleurs, très bien. Essayons. Non, c'est pas ça, il voit que dalle. La même chose en transparent. Moi, je dirais un bidon qui a la balle, on peut pas en piquer un, là. Il y a de la flotte dedans. Quoi, ça là-bas? Ah, une casserole, parfait pour un cuistot, non? Tiens. Je suis sûr que ça va être la bonne. Merveilleux. Vendu. Eh bien, mon singe... Nom d'un singe lunaire, c'est merveilleux. C'est un plaisir de t'aider. Merci pour ton aide, je dois maintenant attendre que l'on décide de mon sort. Alléluia, alléluia. Ah, si je peux t'aider... J'ai un service à te demander. J'ai entendu dire que les gens d'ici avaient enterré mes compagnons d'équipage dans le cimetière de la ville. Pourrais-tu déposer quelques fleurs sur leur tombe? Ah bah oui, 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 c'est sûr que oui. Merci bien. Je pense pas que je puisse faire ça aujourd'hui parce que je pense que c'est fermé. Mais promis, dès que je peux le faire, je le fais. Monsieur le maire, c'est inadmissible de mettre ce robot en prison, il a rien fait. Merveilleux, merci Yak, tout à fait fascinant, n'est-ce pas? Avez-vous pris une décision en ce qui le concerne? Pas encore. Nous sommes toujours en train d'étudier toutes les possibilités. Nous prendrons bientôt notre décision. Je l'enverrai par courrier pour que tout le monde soit au courant. L'église et le centre de recherche s'opposent vivement. Et toi, qu'en penses-tu? Mon épouse disait toujours que chacun mérite d'avoir sa chance. Oui, on est d'accord. Je connais pas votre épouse, mais à mon avis, c'est une personne qui mérite d'être connue. J'ai jamais visité ici, bon, je peux pas souvenir en tout cas. Oui, 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 je sais, faut être copain avec tout le monde pour pouvoir rentrer chez eux. C'est normal, c'est normal. Bon, bah, il faut être patient. Ginger! J'ai plein d'aventures à te raconter. Papa m'a dit que tu avais réglé le problème de l'eau polluée avec Sam. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Raconte-moi tout. Tu te souviens du prince des bandits? Eh bien, figure-toi
Un roi des reins qui parle, j'aurais tout entendu. C'était effrayant de tomber dans les ruines. Oh, et ça m'avait l'air si forte. Plus de peur que de mal, fort heureusement. Mais oui. Bon, il est bientôt l'heure, là. Oui, il est 2h56, là. J'arrivais au lit au moment où je suis censé m'écrouler dedans. Eh ben, c'était une sacrée journée, hein. Rempli de plein d'émotions, entre les chats qui s'étouffent et les stations spatiales qui tombent du ciel, on est gâtés. J'ai hâte de découvrir ce que celle-ci nous réserve. Ah, du courrier. Qu'est-ce que ça va dire de beau? D'Albert. Hey Cospio, j'ignore si tu le sais, mais notre ami le maire a approuvé la construction d'un musée à Portia. Il sera situé près du centre de recherche à la place centrale et nous devons le construire. Je me suis dit qu'une de nos commandes pourrait t'intéresser. Viens me parler quand tu auras un moment. Merci. Ah bah, carrément, ouais. Nous avons désormais un détecteur de reliques prêt à l'emploi grâce au centre de recherche. Le détecteur est très pratique, il pourra afficher les formes basiques des objets que tu détectes. C'est un objet très rare, il faudra donc payer des frais de maintenance exceptionnels de 2000 gold pour l'utiliser. L'amélioration peut être réalisée sur n'importe quelle console près des ruines abandonnées. D'accord, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais on ira découvrir. C'est moi le blé, il est récoltable. Bientôt. Pas encore, mais bientôt. Ok. Alors, en plan de récolte, est-ce que les fourneaux ont bien tourné? Oui. Alors, voyons voir, c'est trop. Tada! On embarque. Il ne manque plus qu'à faire le moteur à eau. Il se trouve là. Il faut des pièces anciennes, des roulements, des moteurs, des plaques d'acier, des barres d'acier carbone 12. Donc il va encore manquer des barres d'acier. Donc bah ça, à mon avis, on pourra finir sa queue en fin de soirée. Ouais, je suis arrivé en premier, même Antoine n'est pas là. Ah, il y a un gros panneau, c'est quoi ça? Commande de la guilde. Ah, mais c'est 252, je t'aime bien, Nora, mais là... Ah. Je sais pas si ces grands papiers ont quelque chose d'important ou pas. 915, 927, et ce sera pour lui. Ça, c'était pour faire quoi? Une petite sacoche. Et ça, c'est pourquoi? Deux plaques de cuivre. Albert, tu me cherchais? Pour le projet de musée. Je suis là. C'est un plaisir de te voir, Cospio. Parlons un peu. Nous avons besoin d'une grue mécanique pour porter des choses et construire le musée. Nous n'en avons jamais eu besoin auparavant. Mais je sais qu'il nous en faudra une si nous voulons réaliser le projet de Gust pour le musée. J'aimerais te confier ce travail. Tu penses pouvoir le faire? Ben oui. Ça marche, et ne t'inquiète pas pour les autres. J'ai des commandes de matériaux qui les attendent. Il n'y a que Higgins qui se plaint tout le temps. Pardon, mais je n'ai pas le diagramme pour cette grue. Il faudra que tu en parles à quelqu'un du centre de recherche. Ah ouais, d'accord. Bonjour, Gus. J'ai entendu mon papa dire que tu avais réglé son compte à un rongeur véreux. Impressionnant. Ah, qu'est-ce que tu crois? Et le petit cochon? Comment il va, le petit cochon? J'ai peur, le petit cochon. C'est moi ou avant, ça faisait pas ça? Bizarre cette histoire. Activité dangereuse, ne pas toucher. Ouais, mais c'est pas censé faire ça. Ah, est-ce que je peux? Pas grand chose, hein. Bonjour Alice, est-ce que tu vends des fleurs? Il me semble que oui. Il faudrait que je dépose des fleurs sur la tombe. Des copains du robot. Ça, il me faut des fleurs des champs, voilà. Voilà, j'ai trouvé les fleurs, maintenant on va pouvoir les déposer sur la tombe. Voilà. J'ai écrit quelque chose. Équipe d'Alter One. Ok. Alors on va voir cette histoire de... Pour une autre zone, non. Détecteur de reliques amélioré, voilà. Pour améliorer le détecteur de reliques, le détecteur de reliques peut scanner 3 points de reliques à la fois et affiche également la forme des reliques. Bon, 2000 gold, mais c'est définitif ou c'est... temporaire? On va essayer, hein. Je suis curieux de voir ce que ça fait. Alors, comment ça marche? Ah oui, effectivement, il y a plusieurs points. Et... oh! Ah ouais! Oh, trop bien! Ah, donc il peut en scanner plusieurs à la fois. C'est quoi ce ventilateur? Je connais pas. Bon bah je reviendrai nuitamment pour tester cette nouvelle invention.
Bon, je profite d'être en ville pour venir voir Petra. J'ai une demande pour toi. Tu veux construire une grue mécanique pour Albert? Mais qui te l'a dit? Bien sûr, je peux te préparer un diagramme. Trouve 6 disques de données pour accélérer mes recherches. J'en ai vu à Atara et à Vega 5. Alors je sais à peu près de quoi m'attendre. C'est assez proche de l'ascenseur de Bassagno. D'accord. Bah je les ai, tiens. Excellent travail, cela m'aidera pour mes recherches. J'aurai bientôt quelque chose pour toi. Merveilleux. Question, ça va? Malgré la rareté d'une IA vivante, ok. Mais je sais, t'as aussi 5 cours. Ok. Bien. Salut Hack, Harrington. Comment vous allez? J'ai vu un paquet de trucs dans ma vie, mais je n'ai jamais vu de station spatiale s'écraser depuis l'espace. Ah bah oui, moi non plus. Et toi Hack? Je reviens du salon de recherche, du centre de recherche, et elles partent toutes de toi, elles sont folles de toi. Mes compagnons d'équipage étaient chers à mon cœur. Nous faisons tous vivre la station. Merci d'avoir accepté. Ah mais c'est tout à fait normal, Hack, hein, franchement. Tiens, je sais que t'aimes bien le lait. Il me semble que j'ai une bouteille sur moi, voilà, c'est cadeau. Merci, c'est joli. Ah, hier tu me disais que c'était le nectar divin, et là, oh, c'est joli. Oh, le bus de Portia. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, tiens. On peut pas monter dedans. Dommage. Il y a quand même une belle tronche, hein. Alors, ça mord? Kiwa, comment vas-tu? Tu sais que manger du poisson permet de garder la ligne. Regarde-moi. Ouais, je vois ça, c'est impressionnant. C'est moi ou l'eau, on dirait qu'elle est polluée? Non, ça va, c'est la... C'est le fond de l'eau qui fait ça, ok. Le verdâtre comme ça, ça me rappelait des mauvais souvenirs. Sam! Qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que t'as besoin de moi. Pompé d'entraînement. Yo, Cospio, tu veux lutter avec moi? J'ai entendu dire que tu savais bien te défendre. Pourquoi? Nous sommes une ville frontalière, voilà pourquoi. D'accord, c'est parti. Ne retiens pas tes coups, surtout. Je crois que j'ai déjà essayé avec elle, elle m'avait mis une déculottée, mais phénoménale. Je sais pas si elle est à même là. Ah, voilà. J'ai niveau 30 maintenant, moi. Par contre, je crois que si elle fait son attaque spéciale, je vais prendre Tarif. Ouais, c'est ça. Ah, ça. Elle envoie des éclairs. Moi aussi, j'envoie des éclairs. Moi aussi, je vais faire ça. Ça va être trop bien. Désolé, hein, je sais que t'es une fille qui ferait que... Mais non, on s'ennuie. Au 21ème siècle, c'est fini tout ça. Voilà. Toi qui l'as voulu, hein. Pfiou, ce n'est pas de ton repos. Tu sais vraiment bien te battre, Sam. Je te retourne le compliment. Tu ne m'as pas déçu. Merci d'avoir pris le temps de t'entraîner avec moi. Pour tout te dire, il faut que je m'entraîne en permanence si je veux être à la hauteur d'Arlo et Rémi. Ah, tu appelles Rémi, toi. Ce sont des forces de la nature. Ah, je veux bien te croire, ouais. Eh ben, bonne nouvelle, je crois que j'ai assez pour finir le four. Merveilleux, il me faut des plaques d'acier, ça j'ai, il me faut de l'acier, j'ai... Quoi? J'en ai pas assez? Non. Non. Ah non, bah non, c'est... J'ai vu ça où qu'il fallait des plaques d'acier. Ah, c'est pour faire les plaques d'acier qu'il fallait de l'acier. Ah, donc j'aurais pu le faire depuis beaucoup plus tôt, mais je suis distrait. Voilà, les roulements et le moteur, normalement, devraient être bons. Là, les moteurs, là, les roulements. Il manque quoi d'autre? C'est des plaques d'acier. C'est pas des pièces anciennes, tout dans le genre? Ouais, 5 pièces anciennes. Je dois avoir ça aussi. Voilà. Tac. Et un moteur, hein, bah c'est bien, là, toutes les infos, bah, toutes les choses qu'il nous faut pour dire de réparer l'affaire arboricole. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Bon, nous voici arrivés sur le lieu de construction. Il est possible que j'ai rencontré quelques lapins sauvages en route. J'aurais fait la fête. Alors voici le moteur et je suppose que la roue va dehors. Ouah, mais c'est... Hey. C'est du gros ouvrage, hein. Ah oui! Ah oui, puis ça... Esthétiquement, c'est... Ah, je valide. Je valide. Donc c'est bon avec ça. Ah, il y a toute la... Ah oui. Avec ça, normalement, la ferme bricole reçoit de la flotte, alors. Très bien. Ah, il faut que je fasse une réserve d'eau et des arroseurs maintenant. D'accord. Ah oui, ça... Ça pouvait pas être aussi rapide. Il manque encore une étape. D'accord. Bon, bah, on a fini la moitié de la commande. Très bien. Voyons voir, j'ai aussi des pendentifs dufteux à faire. On va les faire tout de suite, c'est vrai que j'aurais dû même commencer par là.
Ah, il m'en faut 3. Je peux en faire qu'un. On sait que je peux en faire qu'un. Il faut la ficelle. Ah, zut. Ficelle, ficelle, ficelle. Là, voilà, hop. Fais-moi en une. Il faut 2 heures par ficelle. Et bah, ça tombe bien, j'ai plein d'ateliers. Ok. Ah, il m'en faut que. Il m'en faut plus qu'une par pendentif, non? Il m'en faut combien par pendentif? Ah oui! Ah ouais! Ah, il en faut 5 par pendentif. Bon, bah, let's go. Alors, voyons voir. Je crois que j'avais vu la réserve d'eau ici. Très bien. Ça, je pense que je peux la faire quasiment tout de suite. Il faut du bois dur, des planches de bois dur, des tuyaux de cuivre et des barres de fer. Par contre, les tuyaux de cuivre, je vais peut-être utiliser pour faire des seaux en cuivre. Enfin, des seaux en fer, c'est possible. Donc, je sais pas si j'en ai encore. Oui, il m'en reste. Par contre, les barres de fer, j'en ai plus tant que ça. Ah, ça se complique, ça se complique. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai assez de tuyaux de cuivre? Oui. Est-ce que j'ai assez de barres de fer? Non. Bien ce qu'il me semblait, il m'en manque 2, c'est ça. Hein. Ouais. Les planches de bois dur, ça je dois avoir. Ça va, j'ai beaucoup de planches de bois dur. Mais bon, peut-être en refaire quand même parce que, à mon avis, on va vite en manquer. Il est bientôt 16h, il me reste 2 pendentifs à faire. Et on va voir c'est quoi cette histoire d'arroseur aussi, tiens. C'est pas là. Bon bah j'ai vérifié, non, il semblerait que les seuls que... Est-ce que ce poudre à canon... J'avais jamais vu ça avant. Ouais, les seuls arroseurs que j'ai, bah c'est ceux-là. Hein. C'est bizarre, c'est qu'ils apparaissent pas ici. Il n'y a que le pendentif. Ça, ça veut dire que je peux en fabriquer 4, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, il en faut 4. Voilà. Le compte est bon. On va voir si on peut déjà les mettre en place le temps que ça travaille. De toute façon, j'ai rien à faire. Rebonjour Dawa. Je suis là avec des arroseurs. Pour l'instant, j'ai pas encore la réserve d'eau, donc ils vont pas arroser grand-chose. Mais au moins, comme ça, ils seront en place le moment venu. Eh, c'est cela, c'est bien ça. Nickel. Et je vais en profiter vu que je suis dans le coin pour couper un peu de bois parce que je commence franchement à manquer avec tous ces lingots en acier que je dois faire. Il me faut du charbon. Hop, encore un arroseur ici. Voilà. Hop, et le dernier. Mais voilà, il reste plus que la réserve d'eau et on pourra irriguer tout ça. Et les chefs pandas seront contents. Et nous aussi. Bon, voyons voir si la ficelle est terminée. Il me semble que oui. Hein. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Ah, il y en a une de chaque. Ah, c'est si long que ça. Ah ouais, bah je crois que la commande ne la finira pas aujourd'hui. Hein. Ah, ça y est. Les ficelles sont terminées. Mais est-ce que je vais pouvoir livrer la personne avant qu'elle aille se coucher? Telle est la question. Voilà. Il me semble que c'est le vieux McDonald qui a demandé ça. Est-il encore dans son champ à cette heure si tardive? Oui, je l'aperçois enfin. Devant moi au loin. Monsieur McDonald, tenez, voici votre commande. Excellent travail, on peut vraiment compter sur toi. Eh oui, ça m'a pris la journée, mais le travail est fait. Bon, bah c'est dommage, comme je suis tombé en cours de cours de combustible pendant que j'étais occupé, bah j'ai pas vu, mais j'ai pas mes barres de fer, donc je peux pas finir mon réservoir aujourd'hui. Tant pis. Bon, je récupère le diagramme parce qu'il semblerait qu'on puisse aller mettre un arrêt Didi au loin. Je vois ça sur ma map. Donc on va en faire un tout de suite. Je sais plus où c'est par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Après du transport Didi, je pense. Ah, Didi. Voilà. Il faut du bois dur, des tubes de bronze et des plaques de bronze. Et voilà, un arrêt tout neuf. Alors ça se trouve, vu que j'ai mis du temps avant de repérer qui était là, qu'on me demandait d'en placer un, quelqu'un l'a peut-être fait à ma place, donc bon, on ira peut-être pour rien. J'aperçois l'emplacement de l'arrêt Didi. En effet, on peut en venir en mettre un là. Eh B. Ça valait le détour, hein, parce que les cascades ici, impressionnant. Eh ben, il faut quasiment une heure pour revenir en ville depuis le point là où j'ai mis l'arrêt Didi. Hein. On va utiliser un peu le nouveau scanner qu'on a découvert. Voir déjà s'il fonctionne aussi ici, parce que ça se trouve, c'est pas le cas. Mais bon, alors voyons voir.
Ah mais ici j'avais déjà récupéré quasiment tout ce qu'il y avait à récupérer. Forcément ça devient compliqué. Alors oui, on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Ouais, il y en a plein. Ça c'est quoi? Une boîte, ok. Ça aussi ça ressemble à une boîte. Ça c'est un ressort. Bon, voyons voir ce qu'il y a par là. En plus c'est du fer, c'est très bien. Non, à main nue peut-être pas, non, on va pas déconner. Il est minuit. On n'a pas encore mangé de restaurant. On peut miner encore un petit moment. Et revenir, éventuellement. C'est du lubrifiant, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Oh, c'est quoi ça là-bas? Une machine à laver, un truc dans le genre, non? Faudrait trop que j'ai un truc pour recycler, pour récupérer les morceaux, parce que je suis sûr que ça doit donner des trucs sympas. Mais oui, c'était bel et bien une machine à laver. Pratique ce petit scanner quand même. Ça spoil un peu la surprise, mais bon, au moins on peut optimiser les recherches. Là-bas, c'est intéressant, c'est une caisse. Et 54, j'atteindrai jamais mon lit. Non. On peut le faire. À 2 minutes près. Allez, go, 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 go. Oui. Bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode pour installer la réserve d'eau et voir ce que nous réserve cette nouvelle journée. Allez, à toutes.